Shalom, Efka, mes soeurs, salut tout le monde. Nous allons partager quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ensemble avec vous. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 21. Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Alors, on lit encore le verset 1 Timothée, chapitre 6, on commence par le verset 6. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est-à-dire que ces deux passages, on comprend bien que tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ce que nous avons trouvé dans ce monde est passager. Donc tout passera, mais la parole de notre Père, la parole de Jésus-Christ ne passera jamais. Et Job nous fait comprendre que il a dit je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. C'est-à-dire que et là encore Paul nous montre encore dans l'écriture de Timothée que nous avons rien à porter dans ce monde. C'est-à-dire qu'on est venu le main vide dans ce monde. Et quand nous mourrons, nous retournerons aussi le main vide. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment, peut-être tu as mis peut-être ta confiance dans ta richesse. Tu es content d'avoir la richesse, tu es content d'avoir de voitures, de vêtements, tout ça. Laisse-moi te dire, tout cela, quand nous mourrons un jour, quand la mort viendra un jour, nous n'emporterons rien du tout. La preuve en est, toi et moi, quand on est vivant, quand on voit des morts, des riches, qui ont laissé leur richesse, ils n'ont rien emporté donc, quand ils sont partis. Et ça doit nous enseigner, ça doit nous montrer aussi, on n'apportera rien. On est venu nu. Nous retournerons aussi nus dans le sein de la terre. C'est ça la vérité, c'est ça la parole de Yeshua. Alors, maintenant, peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ en ce moment. Peut-être tu es malade, peut-être tu es dans le lit, tu es à l'hôpital avec ta richesse. Tu vois que ta richesse ne pourra pas te sauver, ta richesse ne pourra pas te guérir. Malgré l'argent que tu as, ça ne pourra pas te donner la paix. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est c'est lui qui console. Il guérit même le cœur brisé. Il est là, il veut qu'il t'étende la main. Et uniquement si tu crois réellement, si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Le bien matériel ne nous sauvera jamais. Donne ta vie à Jésus-Christ et il te sauvera. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le bien matériel passera. Ta richesse ne peut pas sauver ta vie. Ta richesse ne peut pas sauver ta vie. Mais toi qui continues toujours à compter, à mettre ta confiance sur ta richesse, sur la gloire de ce monde, et quand tu mourras un jour, toutes ces richesses-là passeront, resteront et ne te pourront pas te suivre. Tu ne pourras pas emporter quelque chose. Et c'est pour cela que c'est important de donner la vie, de donner ta vie à Jésus-Christ, de donner ton cœur à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur, c'est lui qui sauvera ton âme. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ne perds pas ton âme pour le bien de ce monde. Ne perds pas ton âme pour la richesse de ce monde. Elle restera, la richesse restera. Tu ne pourras pas emporter ta richesse avec toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut sauver ta vie. Il veut t'arracher de la mort, du péché, de la mort, de la richesse de ce monde, la convoitise de ce monde. Il veut te donner la vie.